On fait le tour du pays pour recruter les plus jeunes. Donc, on tient des concours d'entrée dans des auditions dans plus de 20 villes au Canada. Et on a également des concours d'entrée à l'étranger pour recruter effectivement les meilleurs éléments sur d'autres continents. I saw Cirque du Soleil when I was about 11 years old, and I was a dancer and gymnast before, and that inspired me so much, and it showed me this whole other side of art. So I decided, my mom found out that there was the National Circus School, which was exactly what I was looking for in a school and to go further with, so I decided to audition for that, and luckily I made it, and here I am today. Ah, j'ai comme cherché dans l'internet un peu partout dans le monde de l'école de cirque, puis l'école nationale ici était comme celle qui me plaît le plus, qui avait là comme la meilleure école pour moi personnellement. The first time I have to do one of my bigger movements, I always have a little bit of adrenaline going through me, and every day, even to this day, you know, the littlest things are still, you know, the first time I do it, I get scared, but after the first time, I'm like, okay, that's fine, just do it again. And working on new movements is definitely scary, but that's what this, I love what the school does to us. It makes us take risks and realize that you can do what most people would say would be impossible. Moi personnellement, je m'entraîne probablement pour à peu près 8 heures par jour. C'est plus les muscles qui sont vraiment, qui sont juste fatigués. Spécialement les soirs quand on arrive chez nous, des fois même après 9 heures parce qu'on a des cours académiques les soirs. On est quand même très fatigué, puis on fait pas beaucoup de choses. Genre, j'arrive chez moi, je fais quelque chose à manger, je mets peut-être la glace, je suis vraiment mal quelque part et je vais aller me coucher. After I graduate, one of my big dreams and goals is definitely Cirque du Soleil and to have, you know, my act in Cirque du Soleil. I don't know how long that'll take me to get there, but that's definitely one of my biggest dreams.